Ok, donc, salut tout le monde, c'est Astrix. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo assez spéciale, car aujourd'hui, on se retrouve sur Fortnite, mode créatif, et oui, pas Battle Royale. Aujourd'hui, comme vous avez vu, ça fait 2 mois que j'ai pas fait la Boozy Tournament 3, genre ça fait deux mois, que j'ai pas mis le code. Ça fait 2 mois, j'y suis pas entré dans l'île. Du coup, comme ça fait 2 mois, la dernière fois, j'avais fait la vidéo, la dernière fois que j'y ai touché à l'île, j'avais fait une vidéo. Du coup, on va pouvoir comparer mon niveau, etc. Donc, ça va être trop bien. Du coup, on se retrouve directement sur la map. Du coup, les gars, la dernière fois que j'ai fait la map, donc sur YouTube, la vidéo, elle est toujours dessus. Hein, n'hésitez pas à aller la voir. Je sais, la fiche, il y a peut-être une fiche qui apparaît en droite, si j'oublie pas, et puis voilà. Je pense qu'on va faire 2 runs. On va faire un run de redécouverte, on va dire, comme ça fait longtemps. Et un run de tryhard. Donc là on est sur le run de découverte, donc il y aura ma voix, et le run tryhard, il y aura pas ma voix, il y aura que la musique, donc on est parti. Du coup là c'est de la triple musique normalement, voilà. Du coup les gars, faut m'excuser. J'ai pas fait d'edit aujourd'hui pour commencer, et de 2 je suis passé à edit and release aujourd'hui. Genre aujourd'hui j'ai commencé à faire edit and release. Du coup c'est un peu la cata, mais bon, c'est pas grave, on va essayer de s'habituer, parce que je sais que ça augmente considérablement la vitesse d'edit une fois qu'on sait bien jouer. J'ai peur de me faire tuer, hein. Je sais pas si la dernière fois que je l'ai fait, j'avais déjà le reset molette. Mais on va voir ça, hein, de toute façon. Oh, du coup, là... Ah ouais, là, c'est l'épreuve... L'épreuve la plus compliquée à one-shot de tout le destroy dont on s'est caché. Ah ouais, là, ça va être complicado. Ah bah voilà. Je pense qu'en vrai, tout simplement, je vais pour la vidéo, je vais enlever l'edit and release, comme ça moi j'aurai pas d'excuses. Hop. Voilà. Là j'ai aucune excuse, c'est par rapport à mon niveau. Pardon. Là c'est du pur niveau. Attention, j'ai le coronavirus, ne pas m'accrocher. Non, c'est une blague, évidemment les gars. Évidemment. Du coup. Là, hop, c'est assez dur à one shot, je trouve. Après, les pros, voilà quoi, c'est les pros. Hein. Ouais, d'accord, oui, ok, j'ai passé le mur, mais pas à moitié. On aime les bugs de Fortnite, vraiment, c'est. Bon, vous savez quoi, en fait, je vais remettre les Jason Relay. Parce qu'en fait, je m'étais habitué. Ça, je me souviens, j'arrivais à vraiment bien. Voilà. J'ai vraiment perdu l'habitude de faire des maps petites. Hein. Genre, j'ai quasiment fait 0 maps petites pendant le temps où. En fait, genre, dès que j'ai arrêté de sécher la Boozy 3. Bah j'ai arrêté de faire de ma petite etc, j'en faisais de temps en temps. Par exemple, je sais que j'ai un peu fait de la Boozy 1, parce que les Brandvik faisaient la Boozy 1 pour s'entraîner, enfin commencer à un peu faire les diètes etc. Et du coup je sais que quand il faisait la map et que j'étais avec lui, bah je la faisais en même temps. Du coup bah j'ai fait quand même un peu d'édite, mais un peu. Ok, alors là. Non mais alors là. Oh, je suis vraiment nul. Bah, c'était preuve. Voilà, hop. Bon là très clairement on va pas tenter de faire le genre pro, hein. On va tout simplement, voilà, elle est là, hop, c'est parfait. Oh là, j'ai essayé de me proposer ça. Oh, wow, j'ai quand même battu mon record. Je pense que c'est la découverte, j'ai besoin de paramètres et tout. Ça veut dire que si
si je me concentre et tout, je tryhard, je peux faire un bon temps. I remember years ago, someone told me I should take caution when it comes to love. I did, and you were strong and I was not. My illusion, my mistake, I was careless, I forgot I did. And now, when all is done, there is nothing to say. You have gone and so effortlessly. You have won, you can go ahead, tell them all I know now. Shout it from the rooftops, write it on the skyline. All we had is gone now, tell them I was happy. And my heart is broken, all my scars are open. Tell them what I hoped would be impossible. Falling out of love is high, falling for betrayal is worse. Broken trust and broken hearts, I know when thinking all you need is there. Building faith on nothing was empty promises will wear. Du coup, voilà les gars, on a fini. Du coup, 6,53, donc j'ai gagné à peu près... Ben, pas à peu près, je vais vous dire tout simplement pile ce que j'ai gagné comme temps. Hop, on regarde ma vidéo. J'avais fait 5,59, donc j'ai gagné tout simplement une minute. Une minute, ce qui est vraiment pas négligeable. Une minute, c'est vraiment très très bien au niveau de l'édit, etc. Du coup, pourtant, j'ai l'impression d'être moins bon. J'ai l'impression de me faire beaucoup plus, etc. Donc je pense que je vais me remettre à sécher les maps edit de type celle-là ou encore la bousillon, etc. Et du coup, on se retrouvera peut-être dans un mois ou deux mois et on verra où j'en suis. Ok, du coup, les gars, ce qu'on va faire tout simplement, c'est que tous les jours pendant le mois de juillet, je vais vous mettre un run que j'ai fait sur la bousille 3. Donc tout pendant le mois de juillet. Donc le run sera pas toujours forcément toujours meilleur, mais en fait ce qu'on va faire à la fin du mois, enfin début d'août plutôt, on va comparer mon premier run avec mon dernier, on va voir comment j'ai progressé, combien de temps, etc. Ça peut être cool, au moins je vous propose du contenu tous les jours pendant, pendant un mois. Et puis voilà, hein, tout simplement je vous laisse avec la fin de la vidéo. Au niveau de l'édit, du coup les gars, moi je vais vous laisser là-dessus. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo elle vous a plu, parce que moi ça me ferait extrêmement plaisir. La qualité, enfin j'espère qu'elle sera bien, etc. Du coup les gars, c'était Ariatrix, moi je vous laisse là-dessus. Bye bye.